L'Agence nationale d'appui au développement à la base a pu réaliser grâce au PUDC le programme d'urgence de développement communautaire 22 ouvrages dans les communautés togolaises dont 15 au niveau du Grand Lomé. Afin de continuer cette mission, elle a besoin de renforcer les capacités des acteurs communautaires impliqués dans la gestion du développement de leur localité, d'où la tenue d'un atelier ce jeudi à Lomé. Les acteurs à la base qui sont les chefs traditionnels et les comités de développement et les responsables des comités de développement doivent harmoniser leurs points de vue pour que ces projets, ces programmes au niveau de nos communautés soient réalisés et ceci dans l'intérêt de nos populations. Le développement à la base se réalise par les leaders de la communauté, a estimé Victoire Toméga Dogué, la ministre en charge du développement à la base. Vous savez, le développement à la base, c'est ce processus qui mobilise, organise les communautés sur des questions touchant leur développement. Et donc, pour nous, au niveau du ministère du Développement à la base, le renforcement des capacités constitue un élément essentiel dans cette dynamique-là. Notons que la prise en œuvre du PIDC s'est réalisée grâce au cadre de partenariat entre le PNUD et le ministère en charge du développement à la base.